Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite vidéo donc faisant suite, à la seconde partie, tant attendue donc, de mes cadeaux de Noël. Cette fois-ci j'ai tout reçu, tout est là, donc nous allons pouvoir découvrir un peu cette suite. Euh, de mes cadeaux. Je remercie euh, une fois de plus au passage donc tout d'abord ma belle-sœur et mon frère Laurent Aka Rio Le Saiba. Je remercie également donc ma femme. Je remercie euh, Frédéric. Je remercie euh, mon ami euh, Damien Lintel. Et donc, sa boutique sur Vinted, Damien 59 99 01. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai bien évidemment donc, le lien une fois de plus de sa boutique euh, dans ma description. Donc voilà, toutes les personnes que, que je tenais à remercier. Et maintenant, donc, nous allons pouvoir passer au vif du sujet à savoir, mais qu'est-ce que c'est la suite de mes cadeaux Allez, c'est parti, let's go Oh cool, encore des cadeaux de Noël! Ouais! Ah! Ah! J'ai trop hâte de voir ce que c'est! Ouais! Ouais, moi aussi, bon, même si j'ai plus mon petit mécaprout de prout. Ah bah, justement, mini mini moi! À propos de ton mécaprout de prout, bon, c'est clair, il est destroy, terminé, HS. Miles Mayhem euh, on a fait des miettes. Hein. Par contre, par contre, par contre, j'ai mon ami Alexandre qui t'a envoyé un petit colis et je pense que ce dernier devrait te plaire. Oh, ouais, oh, oh, oh c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Eh bien, le voici, le voilà, un nouveau petit jet rien que pour toi. Oh, bah ça, c'est trop cool. Oh, il est chouette, dis donc. Oh, et en plus, il a deux missiles. Oh, je suis vraiment trop content. Décidément, c'est pas pour dire mais je trouve qu'il y en a quand même souvent pour mini, mini moi, hein. Et moi que dalle. Bon bah, sur ce, bonne vidéo et puis bah tout à l'heure les mecs. Allez, ciao. Encore. Entos. Voilà, mini mini moi, retrouver le sourire. Donc on va passer tout de suite donc au cadeau. Euh, bah, au cadeau, voilà, que j'ai reçu, donc, pile poil euh, hier. Voilà, cadeau, donc, de ma belle soeur et de mon frère, Laurent. Aka donc, Rio Saiba. Ou, ouïe, le Saiba, sur le net. Nous avons tout d'abord cette petite beauté. Regardez-moi ça, la Game ⁇ Watch, The Legend of Zelda. Voilà, réunissant, donc les premiers épisodes avec en plus un mode euh, réveil euh, euh, heure horloge enfin bref voilà avec un petit écran donc euh, euh, de très belle qualité hein, par rapport aux Game Watch de l'époque alors pour ceux qui ne connaissent pas les Game Watch, les plus jeunes bien évidemment, donc il s'agissait des petites consoles portables que nous avions à l'époque, avant tout ce qui peut être Game Boy, Game Boy Color et autres. Donc c'était des petits jeux individuels. Sur chaque jeu, sur chaque jeu donc comportait... Euh, sur chaque oui sur chaque euh, Game Watch comportait un jeu différent. Il y en avait aussi à deux écrans, à trois écrans. Enfin bref, voilà, ça a fait le succès euh, des années euh, 70-80, enfin fin 70, début 80. La petite console qu'on pouvait mettre dans sa poche et jouer avec. Euh, donc euh, voilà, c'était vraiment super. Donc ils ont ressorti, enfin Nintendo a ressorti donc euh, cette petite console aux couleurs et en, en, en hommage donc à notre petit aventurier Link voilà, et non pas Zelda, et donc voilà, le, 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 le petit jeu, donc, qui euh, comporte, voilà, plusieurs épisodes euh, de Zelda, je vais pouvoir m'éclater avec, et retrouver des sensations d'enfance, <laughs> ça fait super plaisir, c'est magnifique, j'ai également reçu ce petit porte-clés avec, euh, voilà, les, petits, les petites boules interchangeables, donc Homer Simpson, alors, je vais faire un petit zoom, voilà, Woohoo Et puis donc un autre petit dessin juste ici, voilà la famille Simpson en complet. Un petit porte-clés très sympathique donc que je vais euh, m'empresser euh, d'utiliser, voilà, à bon escient. Et puis pour terminer donc, voilà un petit euh, poster imprimé sur toile. Donc voilà, poster euh, reprenant une photo euh, très connue. Donc du début euh, du siècle dernier, voilà. Sauf qu'à la place, nous avons à la fois les personnages de l'univers Marvel et DC Comics. Voilà, donc on retrouve bah, Venom en dessous avec le petit euh, Spyday juste ici, le tisseur. Nous avons Captain America, la tête de fer, Batman, Wolverine, euh, Deadpool, Hulk, Flash et Superman. Voilà, sur toile, très très joli. Donc voilà, plus qu'à trouver un petit cadre. Pour mettre tout ceci euh, voilà, euh, sous protection et l'installer dans la future pièce du geek qui n'est malheureusement toujours pas terminée. Mais ça avance quand même tout doucement. Voilà, donc on, récup on récapitule hein, pour les cadeaux donc, voilà, de euh, ma belle-sœur et de mon frère. Donc un super petit poster Marvel DC. Voilà. Sur toile. Un petit porte donc avec la petite tête euh, que l'on peut interchanger. Homer Simpson et Simpson, et puis cette fabuleuse donc Game Watch, voilà qui est sorti donc euh, assez récemment, voilà donc contenant les premiers épisodes de Zelda, du pur bonheur. Yes, merci frangin, merci petite belle sœur, je vous embrasse très fort ainsi que les petits neveux. Alors on continue cette fois donc avec voilà le dernier cadeau de Noël. De ma femme. Et il s'agit, <laughs> sans surprise, d'une nouvelle maquette Gundam. Alors, je vais voilà, modifier un petit peu l'éclairage. Voilà, donc la GN 001 Gundam Exia au 1 centième. Donc, on est proche, si ce n'est du, du Master Grade. Voilà, donc de, de taille un peu plus conséquente que les HG ou euh, les euh, RG. Voilà, une superbe maquette qui envoie du pâté. Hein, on voit un petit peu là, la méga lame de la mort qui tue, euh, voilà, des sabres laser, des gimmicks, euh, du bouclier, enfin bref, voilà de quoi euh, se faire plaisir. La maquette est monstrueuse. Euh, elle est toujours sous scellé, bien entendu. Hein, je, le, je, je vous ferai bien entendu par la suite euh, des euh, vidéos, tuto, si vous le souhaitez, ou simplement les vidéos euh, du produit. Sachant que les maquettes Gundam demandent quand même. Un soin tout particulier et euh, la conception est en général assez longue parce qu'il y a tout un tas de voilà d'étapes si on veut avoir quelque chose de propre, de joli euh, au regard et au toucher. Voilà un petit peu donc le dernier cadeau, voilà de ma femme que j'embrasse très fort. Voilà le magnifique Gundam Exia au un centième. Et ensuite donc la dernière maquette que j'attendais avec impatience, maquette plutôt super mini plat, toujours de Bandai. La voici, la voilà, toujours sous scellé également. Donc là, le super mini plat du Combatler 5. Voilà. Un robot de la fin du des années 70-80. Un dessin animé, plus précisément. Euh, voilà, donc dans le style, style Godikin, Mecha, voilà, composé de plusieurs véhicules. Et formant... Un big robot avec tout un tas d'accessoires, de, d'armements, d'effets euh, translucides et autres. Voilà une édition que voilà, voilà que, que, que j'attendais avec énormément d'impatience. Je l'avais repro euh, repréco chez euh, HLJ. Euh, mon site de prédilection pour les super mini plats, entre autres, mais aussi pour les maquettes et les transformers. Mais elle était euh, en attente de stock. Euh, voilà, la, la première salve a été complètement voilà vendue euh, en un clin d'œil. Donc j'ai attendu un réassort. Voilà, petite maquette que je suis bien content d'avoir. En plus, ce que j'ai eu pour vraiment, vraiment pas cher du tout euh, grâce aux promos euh, qu'il faisait à Noël. Par contre, je me suis pris quand même 12 euros taxes dans la gueule. Voilà. Donc faites bien attention à quoi, quand vous commandez à l'étranger. Maintenant, c'est quasi systématique. Et pourtant, j'avais pris un envoi lent. Donc voilà. Comme quoi, euh, malheureusement, on n'échappe pas donc, à ces putains de TVA et de douane de mon cul de merde. Mais sinon, voilà. Là voici, la voilà. Donc là encore, je vous ferai... Une revue donc de montage de tuto de montage et la revue euh, du personnage, sachant que j'avais eu aussi, rappelez-vous, un hein, pour Noël donc la super mini plat du Zambot 3. Donc voilà, pour le coup, il s'agit du Combatler 5. Yes, allez, et pour changer un petit peu, du Transformers. Alors, un seul, rappelez-vous, hein, j'ai eu Silas Breakdown il n'y a pas longtemps, donc de la gamme Transformers Prime. Euh, à présent, donc j'ai un autre transformers prime le voici le voilà alors vous l'aurez reconnu pour ceux qui sont fans de la série donc il s'agit du voyager megatron transformers prime mais mais, mais à la différence que celui-ci donc est équipé du kit qui était sorti à l'époque kit qui parfait un peu plus le personnage et qui corrige surtout certains défauts notamment la taille en ajoutant donc une extension euh, histoire de voilà de le rendre un peu plus haut des nouveaux bras un canon à fusion plus proche même proche totalement proche euh, de la série animée euh, un sabre juste ici enfin son sabre euh, voilà son sabre d'attaque et puis surtout voilà des petites modifications également donc concernant euh, l'arrière du backpack je vous ferai une revue dessus avec un petit comparatif donc de la version originale la version de, de, de base voilà donc il n'a plus son énorme arme mechtek euh, très très vilaine et surtout euh, énorme euh, très disgracieuse Là, on a vraiment le Mégatron tel qu'on voyait dans le film. Alors, peut-être qu'un jour, si j'ai le courage, mais ça, c'est voilà. J'ai toujours plein de choses à faire. Je ferai peut-être donc une peinture métallique par dessus pour qu'il soit vraiment plus accurate. Mais en attendant, voilà. On a déjà quelque chose de plutôt super correct donc voilà si vous voulez voir la revue de ce dernier n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein. bien entendu je vous ferai une revue donc par la suite de ce petit père méga tronche à savoir également que la tête est légèrement enfin le visage est modifié également par rapport donc aux jouets de base voilà donc pour le petit transformers prime megatron et pour finir donc cette revue, nous terminons donc avec le colis que j'ai reçu de mon ami Damien sur sa boutique Vinted Damien 599901. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc nous avons bien sûr, vous l'aurez deviné, hein, qui dit Damien dit Super Sentai. <laughs> Et donc ben voilà, du Super Sentai. Alors du vieux Super Sentai hein, pour commencer avec tout d'abord, voilà, je le place ici. Voilà, les puristes l'auront bien évidemment reconnu immédiatement. Le premier véhicule, le second véhicule et le dernier. Que voici, que voilà. Donc nous avons le Dina Robot. Euh, version deluxe j'avais jusqu'à présent le standard je rêvais d'avoir le deluxe et c'est chose faite donc le voici le voilà j'ai des missiles que j'ai eu donc grâce à mon ami lionel Serrault, mais je, viendrai, je reviendrai dessus par la suite hein, des missiles qui sont en fait des reproductions et puis, et puis et puis bah, j'aurai voilà, les accessoires par la suite. Hein. Tout vient à point qui sait attendre, comme toujours, donc pour compléter euh, du mieux possible tous mes petits mechas. Donc nous avons juste ici le Dinarobot, voilà de la série Dynaman. Voilà, une série donc, des années 80. Absolument superbe avec le petit transporteur le petit voilà le petit vaisseau juste ici euh, voilà plutôt très original alors c'est assez kitsch hein, celui-ci est particulièrement kitsch et puis donc voilà le tank juste ici le tank d'attaque mobile voilà euh, de toute beauté donc voilà pour commencer le Dinah Robots voilà ah, c'est trop cool Wouh et la suite arrive le voici, le voilà, regardez-moi ça Alors attendez, je sors les petites roulettes. Voilà Nous avons, nous avons, nous avons le splendide, le merveilleux, le sublissime Flash Titan. Oups là, je réduis l'image. Le Flash Titan, voilà, de la série Flashman, le second DX de la série, rappelez-vous, j'ai eu l'occasion et vous pouvez retrouver donc dans la playlist Super Sentai. Je vous avais présenté donc le premier DX Flashman, le Flash Robot. Voici à présent le deuxième DX qui est une pure merveille. La cabine est absolument magnifique avec des parties euh, métalliques. Voilà donc le véhicule, hop, et la remorque. Voilà le Flash Titan dans un état plutôt plus que correct. Voilà, très propre. Un petit peu jauni à l'avant, mais bon, c'est pas bien vilain, c'est pas du neuf, c'est pas en boîte. Donc voilà, moi j'ai rien à dire, je suis vraiment super content. Regardez-moi cette petite bête. Alors là c'est pareil, hein. je vous ferai également une revue plus tard. J'en ai déjà pas mal à vous proposer. <laughs> Donc voilà, on n'a pas fini de se voir, croyez-moi. Donc voilà hein, le magnifique Flash Titan de la série Flashman, une pièce qui est quand même particulièrement difficile à trouver, surtout euh, voilà complet, euh, sans casse et avec euh, voilà les stickers très propres. Donc voilà, hein, euh, je suis vraiment super 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 ravi. Euh, voilà, je l'avais occulté de ma mémoire jusqu'au jour où, avec une discussion avec mon, mon ami Damien, donc il m'a rappelé, euh, voilà, en me faisant voir son, donc, sa, sa pièce, que voilà, il avait lui aussi reçu son Graal. Et tout de suite, ça m'est revenu en tête, J'avais, je m'étais dit, bah oui, c'est vrai, dans Flashman, il y a le Flash robot mais il y a aussi le Flash Titan, et ça, j'avais complètement oublié. Et puis, bah, forcément, de le voir, ça m'a donné envie de l'avoir, voilà. Et il est enfin bien, regardez-moi ça, impeccable, hein. il brille de mille feux. Pas de casse, pas de pète, pas de manque, rien du tout. Donc vraiment, voilà, je suis hyper méga happy. Une fois de plus, hein, euh, mon Damien, je te remercie parce que grâce à toi, euh, depuis plus d'un an, euh, oui, depuis plus d'un an, on n'est pas loin, on est un an et demi maintenant, euh, tu m'aides, tu m'aides à, voilà, à contribuer à. à, à voilà augmenter à compléter euh, mes différentes collections euh, super sentai je commence à avoir les robots principaux me manque plus grand chose à présent hein. me manque encore peut-être deux trois robots et j'aurai vraiment l'essentiel en tout cas ceux que j'aime et celui, voilà, celui là celui-là vraiment en fait partie j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu comme tu le sais hein, puisque voilà on, tient, on se tient en contact euh, quasiment tous les jours euh, on, on discute entre nous de nos passions euh, communes et donc tu sais hein, que j'ai l'occasion de, de, de faire joujou avec et voilà, voilà, je suis vraiment épaté. L'ingénierie dessus est absolument hallucinante euh, pour l'époque. C'est du tonnerre. Voilà. Donc le voici, le voilà, le flash titan avec bien entendu donc le Dina Robot. Ouais Ouhou voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ce second euh, unboxing. Euh, Mekwakoukes, nouveauté nouvelle. Euh, et seconde partie, donc, de mes cadeaux de Noël, voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai été très, 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 très gâté, voilà, c'est aussi parce que je suis peut-être très, 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 très sage, lol, <laughs> donc voilà, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas, comme toujours, à hein, laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, ce que vous voulez voir, si vous avez, voilà, euh, je le répète à nouveau, hein, parce que euh, j'ai l'intention, donc, de, 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 de faire, comme vous le savez, euh, des, des, des revues de, 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 de gunpla, de Gundam, euh, donc à savoir maintenant que voilà vous avez deux possibilités, soit euh, je fais une vidéo du robot monté, ou soit tout simplement et eh bien et euh, eh bien je fais euh, un tuto de montage suivi d'une vidéo. Comme je vous le disais, ça demande quand même plus de soins et d'attention qu'un super mini plat, Il y a plusieurs étapes de peinture, de brossage. Euh, de dégraissage de pièces, de coupe, d'amélioration, de, 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 de voilà boucher certains, certains joints, faire des petits joints, euh, aplanir, lisser, euh, faire du euh, line panel. Enfin bref voilà, ce sont des maquettes très exigeantes si on veut avoir quelque chose de propre et de correct, donc qui demande du boulot. Alors je vous fais voir celle-ci, hein, mais voilà ça vous donne une idée. Là nous avons juste une petite version euh, super déformée. Voilà que voici que voilà. Donc voilà, si vous voulez voir des revues Gundam et éventuellement des tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'essaierai je, de, de lancer un petit sondage donc, euh, voilà, dans la communauté et euh, ainsi avoir donc, vos avis. Euh, donc d'un autre côté, bah, écoutez, on se retrouve euh, lundi prochain pour une revue Gobots. Normalement. à moins que je change d'avis d'ici là, mais normalement ce sera une revue Gobots. Et euh, vendredi prochain, donc... Pour une revue Super Sentai, <coughs> excusez-moi, et plus précisément, une revue sur le magnifique, le beau, l'extraordinaire le, robot Super Sentai Maskman. Et ouais, rien que ça est complet <laughs> Voilà, une revue qui va tout déchirer. Ce robot est une pure merveille. Mais voilà, nous en saurons un petit peu plus donc fin de semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Un petit coucou donc aux nouveaux abonnés voilà venus nous rejoindre. Venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transforma transformables pardon des années 70 à nos jours. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez par euh, parmi nous voilà soyez des bienvenus vraiment et comme toujours plein de bisous aux plus anciens voilà les plus fidèles qui sont toujours là au poste et puis donc euh, ben bah, voilà merci pour vos comme merci également pour tous vos petits pouces rouges, euh, bleus, pardon. <laughs> vos pouces levés. Non, non, j'insiste, un hein, Levez hein, le pouce. Voilà, vos pouces bleus levés. Et puis, et puis vos encouragements, votre soutien, voilà, votre, votre magnanimité pour, euh, euh, bah pour mes, mes frasques, mes gaffes, mes erreurs, mes boulettes. Et surtout, donc, pour les deux trous de balle, mini-moi et mini-mini-moi. Voilà. Je vous embrasse très fort. Euh. Que vous dire d'autre plus Bah écoutez, à la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, amusez-vous bien. <laughs> et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuss Ouais, et si on, à part voler Il fait quoi ton jet <laughs> Bon, il vole et il peut te tirer des missiles dans la gueule. C'est déjà bien, moi, je trouve. Oh, attends, mimi, moi, j'ai une petite surprise pour toi. Ah oh, ouais, encore, c'est quoi Appuie sur le bouton bleu. Oh, moi ouais, j'en sur le bouton bleu, mais il est où Bah devant toi. Ah oh, ouais, lequel Le bleu ou le bleu Bah, le bleu. Ok, bon, bah j'essaye. Allez, j'appuie sur le bouton bleu. Oh, ton... Cool, un nouveau mécan, oh, il est beau Avec tout plein de guns, des missiles et des grosses mitraillettes oh, là, 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 là. Et Il y a même un petit cockpit qui s'abaisse pour que je rentre dedans Oh, ça c'est vraiment beau Et c'est pas terminé Ah bon C'est pas fini Qu'est-ce qu'il y a d'autre Appuie sur l'autre bouton bleu. Lequel Bah, le bleu Oh ah ok, bon bon bah, j'appuie sur le bouton bleu. Maintenant, appuie sur le bouton bleu. Bah lequel Bah l'un des deux. Encore, okay. j'appuie sur l'un des deux. Mini, mini, mini moi ça trompe la classe Ah oh, purée, je suis dégoûté Et en plus, il est quasi aussi grand que moi Oh là là Ouais, et c'est même marqué dessus qu'il y a des missiles prout, des missiles caca, et puis des missiles caca aussi, et puis plein d'autres trucs pour t'attaquer si t'étais pas gentil Alors tu vois, hein, voilà, moi aussi j'ai mon mecha cette fois-ci Euh, celui-là, il a vraiment de la gueule Merci l'escandre ça fait super plaisir, je suis trop content. <laughs> ouais, eh ben moi je vous dis, ça pue du cul, tout ça. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.